Mesdames et messieurs, bonjour. Patrick Peloux, bonjour. Je me présente, je suis Éric Belli, journaliste à la République des Pyrénées, et je suis ravi de passer l'heure prochaine avec vous. Je crois que vous êtes ravi aussi. Pau, vous adorez. Ah ben j'adore, bien sûr. Je suis désolé, je vous tourne le dos, mais je vais me retourner de temps en temps. Non, je suis très heureux d'être là et merci à François Bayrou de m'avoir invité, qui est un jour un peu particulier parce que je sors mon nouveau livre et je vous ai apporté l'exclusivité en fait de la sortie du livre et de la première dédicace. Voilà, c'était important pour moi. Alors la question qui nous réunit, c'est en quoi croire encore? Enfin, si j'ai bien suivi. On peut au cours d'une vie avoir du mal à répondre, se poser des questions. Mais avec vous, Patrick Peloux, on a envie de croire à la bienveillance, à l'humanité que vous dégagez. Votre parcours, c'est d'abord celui d'un médecin urgentiste qui n'a jamais lâché le terrain, toujours debout, comme vous dites. Vous êtes une personnalité populaire, sans doute parce que vous n'avez jamais dévié dans vos combats concernant la santé, on va en parler, la défense de la laïcité, on va en parler aussi sûrement, et la liberté d'expression. Cette liberté d'expression qui a fini par coûter la vie à vos amis dans le massacre de Charlie Hebdo en janvier 2015. Mais vous êtes aussi un homme d'écriture, auteur d'une dizaine de livres, notamment sur les urgences, mais pas que. Il y a eu vos recueils de chroniques pour Charlie Hebdo, qui sont autant de morceaux de vie à l'écriture ciselée, où vous cherchez à approcher la réalité vraie, comme on pourrait dire. Et en 2013, vous sortez « On ne meurt qu'une fois, et c'est pour si longtemps », avec un point d'exclamation, sous-titre « Les derniers jours des grands hommes ». Vous racontez l'agonie de personnages célèbres. Le 28 novembre, c'est un peu le volume 2 de ce livre qui sort. C'est pour ça que vous êtes ici, aux éditions Robert Laffont. Donc le titre, c'est « Mieux vaut vivre debout que mourir à genoux ». Avec une galerie de personnages allant du prophète Mahomet à Sharp, votre ami, en passant par Marie-Antoinette, Van Gogh, Bourville, j'en passe. Tous ces portraits dessinent en creux des réponses à la question « En quoi croire encore ?» je pense. Et vous-même, si j'ai bien lu, surtout à la fin, je crois que vous avez quelques éléments de réponse à cette question-là. On va laisser un petit peu planer le suspense peut-être. Ma première question va nous ramener à l'actualité. Les hôpitaux publics sont en grève depuis 8 mois. Le gouvernement vient d'apporter des réponses. Sont-elles de nature à apaiser la crise ou décidément le mal est-il beaucoup plus profond? Merci. Oui, c'est sujet d'actualité et c'est ce qui nous porte. Si on travaille à l'hôpital public, c'est parce qu'on croit à l'importance du bien commun qui est porté par la sécurité sociale notamment. Et qui fait que d'un coup, on travaille dans l'hôpital public. Ça fait à peu près 30 ans qu'on a un peu, que les économistes ont contraint des lignes budgétaires de plus en plus effrayantes, et qui font que d'un coup, comment est-ce qu'un mouvement social naît et se construit? C'est un peu compliqué à analyser, mais nous y sommes. Et il y a beaucoup de retards qui ont été pris, notamment sur les salaires des infirmières, des aides-soignants, des ambulanciers, des agents hospitaliers, des assistantes sociales, où la vie est devenue de plus en plus difficile pour eux. Donc c'est une revendication importante. Et quand ils réclament une augmentation du salaire net de 300 euros, c'est parce que vraiment ils en ont besoin pour vivre. Et c'est eux qui font tourner la baraque de l'hôpital. La réponse du gouvernement là, a été de donner des systèmes de primes quasiment au mérite et à la qualité, etc. Ce que les personnels viennent de refuser en masse, parce que ça ne répond pas à leur attente. Et là, à l'heure actuelle, les hôpitaux publics qui sont un bien commun, qui sont le bien de tout un chacun, et tout le monde ici dans la salle a eu affaire de près ou de loin, une fois dans sa vie, à l'hôpital, pour lui, pour sa famille. C'est quelque chose qui est vraiment essentiel et qui, à mon avis, fait partie du socle social du pays. Or là, il y a une réponse technocratique qui a été donnée, une réponse très, très compliquée à analyser et qui ne répond pas en fait à nos problèmes de terrain, ne serait-ce que d'avoir des hôpitaux de proximité qui fonctionnent bien, où vous avez de la qualité des soins avec du recrutement du personnel. Donc du coup, cette crise-là, ça rejoint votre question.
oui, on croit à l'hôpital public, et c'est pour ça qu'il y a un mouvement social qui fait pas de bruit, là, parce qu'il n'y a aucune grève qui mériterait qu'on retourne les brancards et qu'on laisse mourir les gens. Donc, c'est une grève qui est très noble, en fait, sur des valeurs éthiques, des valeurs de qualité. D'ailleurs, il faut remarquer que la manifestation, qui a été une première, regroupant à la fois les médecins, les personnels, les usagers à Paris le 14 novembre dernier, il n'y a eu absolument aucune violence. Ça s'est fait dans le calme. Mais vous savez, c'est le calme de la colère, en fait. C'est la colère sourde, la colère froide, et qui est vraiment très profonde dans le service public hospitalier. On distingue mal la porte de sortie. Si, la porte de sortie, mais ça, ils ne veulent pas en entendre parler. Moi, je m'attendais à ce qu'ils proposent des négociations, de mettre tout le monde autour de la table pour parler du développement de l'hôpital, de savoir comment on allait le structurer. Et en fait, ils ne veulent pas de dialogue social. C'est ça que je ne comprends pas, à vrai dire. Un autre sujet brûlant, le réchauffement climatique. Dans votre livre, vous pointez à la fin ce que vous appelez le dérèglement de la nature. Là aussi, il y a urgence ? Ah bah ça, c'est très net. Avec mon tube de l'été, qui était la canicule de 2003, cette année, il y en a eu encore une, avec des problématiques qui arrivent en France, qui sont l'arrivée de nouvelles maladies comme la dengue, comme le chikungunya. Ça pose vraiment des problèmes. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que toute une parasitologie qui était cantonnée à l'Afrique est en train de remonter avec le réchauffement climatique. C'est un vrai problème. C'est un vrai problème, notamment si, par exemple, vous commencez à avoir des foyers de pandémie du palu en France, si ça se réchauffe trop. Ça, c'est une question d'actualité. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, ils ont décidé de poursuivre comme ils peuvent, mais essayer de détruire les moustiques, et notamment le moustique tigre, qui pose vraiment beaucoup de problèmes. Et je crois que... alors, la France est quand même un pays modèle, parce que nous sommes quand même le pays où nous avons la meilleure prévention, notamment sur la canicule et ses conséquences. On est un des rares pays, enfin le seul pays au monde à avoir autant de prévention qui donne de bons résultats, hein. Mais c'est insuffisant sur le développement, et puis il y a une prise de conscience à avoir de la part des pouvoirs publics que le réchauffement climatique va s'accompagner du développement de maladies qu'on voyait qu'en Afrique et qui vont arriver en Europe. Revenons précisément à votre livre. Alors pourquoi avoir choisi de raconter l'agonie des grands hommes, ce moment particulier ? Ça, c'est parti il y a très longtemps, parce qu'en fait, quand je faisais médecine, il y avait des enseignants qui prenaient des références à des personnages pour marquer un petit peu l'exposé et faire des exemples. Et je trouvais ça assez amusant. Et en fait, en 2008, il y a eu une crise. J'écrivais à Charlie Hebdo à l'époque. Et il y a eu une crise au journal entre Philippe Val et Ciné, qui était dessinateur. Et Ciné s'est barré. Et il y avait un trou dans le journal. Et c'est l'époque où Charb a pris un peu la direction du journal. Et en fait, il y avait un trou. Et du coup, j'étais arrivé avec cette idée en disant, bah, tiens, j'ai une idée, c'est d'écrire les derniers instants des grands hommes, des grandes femmes aussi. Mais de raconter ça et de le replacer dans le contexte médico-psychosocial et politique. Et ça a fait des textes. Le premier, ça avait été Voltaire. Et c'était très drôle parce que ça avait eu du succès. C'est très particulier. C'est très particulier, oui, je sais. Parce que pour le public qui n'a pas lu, ça commence carrément par l'examen médico-légal de la victime. Ouais. C'est sympa. C'est... Après, ça fait des conversations pour Noël. Voilà. Après, je vous rassure, il a un talent certain pour ramener ses victimes à la vie avec ses émotions, son parcours. Et donc, on a fait ça, et puis et du coup, ça a beaucoup plu. Donc, il a fallu en faire. Puis, d'un coup, ça m'a beaucoup plu. J'ai adoré aller travailler en bibliothèque et tout, donc on a fait le truc. Puis après, ça a fait un recueil avec un livre qui a eu beaucoup de succès. Et du coup, les lecteurs me demandaient de faire la suite. Et la suite, j'ai commencé en 2013, mais après, il y a eu l'attentat. Ça a été un peu compliqué d'écrire. Après, il a fallu faire d'autres livres pour essayer d'aller mieux. Et puis, en fait, il y a vraiment trois ans, où je me suis remis à l'écriture de celui-là. Et c'était intéressant
de l'écrire, et j'espère que ça plaira au public, mais c'est vraiment dans la droite ligne du premier, et voilà, c'est avec un truc très particulier, c'est marrant, et je revendique le fait que c'est quelque chose de très particulier, en fait. Ouais. Ah, c'est un sacré défilé de cadavres. Hein. Ouais. Mais on ne s'ennuie pas et on passe par toutes les émotions. Donnez-moi un cimetière et je vous en fais un livre. C'est voilà. Ça. Le contraire, ça donne un dictateur. Mais enfin bon. Un sacré travail de recherche. Comment concrètement vous avez procédé ? Faut beaucoup de temps. Il faut beaucoup de temps. Il faut aller à mon repère, et je leur en marche, c'est le personnel de la bibliothèque François Mitterrand à Paris, la bibliothèque nationale François Mitterrand. Donc vous avez tous les ouvrages. Donc d'un coup, c'est très long. Et puis c'est un vrai travail. Vous devez vérifier les informations, etc., les recouper. Et quand d'un coup, dans le premier chapitre, je traite de la mort du prophète Mahomet. C'est très compliqué, en fait, parce qu'il faut... Il n'y a pas d'archives. Non, il n'y a pas d'archives. Il y a beaucoup d'interprétations qui sont selon les obédiences religieuses des uns et des autres. Donc, d'un coup, puis il a fallu enlever tout le côté magique de leur truc. C'était un peu compliqué. Mais c'est sympa. Sunnites et chiites commencent à se déchirer devant Mahomet. En train de décéder. Ouais. Et ça fait des siècles que ça dure. Mmh. Voilà. Voilà. Pour la succession du pouvoir. On retombe toujours là-dessus, quoi, en fait. Vous croyez en la médecine, enfin, j'espère. Ouais. Ouais. Je crois en la science, en fait, ouais, et la médecine, oui. Parce qu'on voit à travers un petit peu la succession de remèdes de cheval qui sont administrés à vos, entre guillemets, victimes, que ça n'a pas toujours été une science exacte. Ah non, ça n'a jamais été une chance exacte. Et merci aux malades d'y croire, parce que des fois... Non. Nous, des fois... Mais non, mais c'est un... Ce que je dis dans l'introduction, c'est qu'en fait, voilà, vous lisez ce livre, en fait, enfin, vous le lirez si vous voulez, mais d'ailleurs, je remercie l'éditeur et le libraire, parce qu'il y a des livres qui ont été livrés à Pau alors qu'ils devaient arriver, machin. Donc, ils ont fait un effort incroyable. La librairie tournait à Pau. Ouais. Et en fait, ce que je dis dans l'introduction, c'est qu'en fait, c'est un livre pour savourer le fait que vous vivez en 2019. Voilà, c'est ça. Parce que déjà, on est tous vivants, là. Ça, c'est formidable. En 1512, ça n'aurait pas forcément été le cas, quoi. C'est ça, parce que vous dites dans le livre, heureusement, la médecine progresse. Avec la médecine d'aujourd'hui, par exemple, Louis de Funès, vous l'expliquez très bien, serait encore vivant. Lino Ventura aussi, peut-être. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, à l'époque, quand j'ai fait le texte sur Louis de Funès, je l'ai fait en collaboration d'ailleurs avec ses deux fils, avec Patrick et Olivier. Et ça remonte sur comment on soignait l'infarctus du myocarde à la fin des années 70 et 80. En gros, on tuait les gens. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on les affamait. C'est rassurant. On leur disait qu'il ne faut plus rien manger, plus rien boire. Et puis, vous les laissiez allonger comme ça pendant quelques temps avec un peu d'aspirine. Le temps qu'ils fassent l'embolie pulmonaire qui les achevait. Et puis voilà. Et c'était ça, en gros. Alors qu'aujourd'hui, en 2019... Si par malheur quelqu'un fait un infarctus, en fait, il faut dire par chance, parce qu'on est en 2019, on va lui refaire un cœur tout neuf dans la demi-heure. Ça, c'est génial. On est le seul pays au monde à avoir ça. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Vous avez un infarctus aux États-Unis, vous demandez votre carte bleue, mais nous, on ne regarde rien. C'est merveilleux, vous savez, c'est une richesse pour notre pays, en fait. Ça va derrière, c'est... Votre livre aussi est, je trouve, un remarquable manuel de santé, parce qu'on s'aperçoit que certains excès, on peut les payer assez cher au moment du décès. Vous avez quelques exemples célèbres. Louis XVIII, vous voulez dire. Louis XVIII, Louis par XVIII. Exemple. Il mangeait énormément. Il mangeait énormément. En fait, on ne pourrait pas manger ce qu'il mangeait, le gras double, les pâtés, les sangliers fourrés au saumon. On ne peut pas faire ça. C'était un suicide au cholestérol qui faisait. C'est, et, et, en,
Et en fait, Louis XVIII, il y avait qu'un son truc était d'être à table. C'est ça qui est, il y avait les problèmes politiques, mais en fait, son truc, c'était de manger. C'est comme ça, mais pourquoi pas. Mais alors, le vin n'était pas tout à fait le même vin qu'aujourd'hui. Il était beaucoup plus doux, en fait, mais il picolait aussi beaucoup. C'est l'histoire de notre pays. C'est formidable, la gastronomie, en fait. C'est terrible, mais c'est sûr que... Tout à fait, on en sait quelque chose ici. À leur époque, c'était quelque chose de redoutable. Ouais. Certaines morts sont presque grotesques, un peu ridicules. Quelle déduction vous en tirez sur la vie de la personne qui est décédée? Je pense à Félix Faure. Félix Faure. L'érection présidentielle. Celui qui finit pompé. Écoute, c'est un truc... Je me suis intéressé à Félix Faure parce que je voulais comprendre, parce que c'était un peu facile de dire... c'est la faute de la femme, etc., etc. En fait, c'est pas exactement ça. C'est qu'en fait, il bouffait un aphrodisiaque à l'époque qui était un concentré de poudre de mouche broyée. Voilà. Il était apparemment très efficace, mais il n'existe plus. Non, valait mieux pas, parce qu'en fait, je pense que c'est ça qui l'a tué, en fait. Parce qu'en fait, ça développait un anticoagulant, en fait. En remontant ça, donc d'ailleurs, je salue le professeur Beau, qui est un grand toxicologue parisien, donc je l'ai appelé quand j'écrivais le texte, je lui ai dit, j'ai une question à te poser, j'ai un aphrodisiaque, machin, donc il a plongé dans les livres et tout, et on a retrouvé ça. Et en fait, je pense Félix Faure, il avait sa femme qui était au premier étage de l'Élysée, et puis il avait sa maîtresse qui venait régulièrement le voir. Et Pépère, en fait, il bouffait des aphrodisiaques pour être en forme. Et en fait, ce jour-là, vous le lirez, mais enfin, si vous achetez pas le livre, je vous le raconte. Mais ça vous fera une conversation ce soir. Et en fait, c'est très drôle parce que donc en fait, cet aphrodisiaque entraînait des picotements au niveau de la verge. Et en fait, il en prend, mais il se trompe parce qu'il pense que sa maîtresse va arriver, mais c'est pas sa maîtresse qui va arriver, c'est le cardinal qui vient lui. Et donc, il reçoit le cardinal et en fait, il tient pas en place parce que ça le démange. Donc, il passe son temps à errer. Ça, on a le témoignage du cardinal qui l'a dit après en disant « Mais je comprends pas, je l'avais vu. Bon, c'est vrai, il était pas très bien, mais machin. » Mais oui, c'est normal, il avait pris de l'aphrodisiaque avant de voir le curé. Voilà. C'est un entretien tendu. Hein, voilà, et exactement. Et alors, du coup, elle est très bien. Et... Et en fait, il fait le truc et le cardinal repart et à ce moment-là, il en reprend une deuxième dose pour satisfaire sa maîtresse, évidemment, et il fait une hémorragie méningée, en fait. Sans doute due à cet aphrodisiaque, quoi. Donc, en fait, cette dame n'y est pour rien. Stelner n'y est pour rien, à mon avis. Voilà. Donc, vous avez rétabli la vérité. Ouais. Vive les maîtresses. Je vous rassure, il y a des passages un peu plus sérieux, quoique c'est très sérieux. Quand arrive le jour de la mort, certains la voient venir. Je pense à votre passage sur Marie-Antoinette. On s'aperçoit avec tout le faste qu'elle a connu, dans ses derniers jours, cette dernière période, elle est confrontée à un certain dénuement. Que lui reste-t-il avant d'être exécutée? Pas grand-chose. Et on s'aperçoit qu'elle écrit à ses enfants. Ouais, mais alors c'est marrant parce que Marie-Antoinette, quand j'ai commencé à travailler dessus, je me suis dit mais ça rime à rien parce que la mort de Marie-Antoinette, ça fait une ligne. Voilà, on lui a coupé la tête. Quoi. Qu'est-ce que tu veux dire d'autre? Et puis en fait, je me suis dit mais derrière ça, il y a tout le processus de la déchéance et de la perte du pouvoir et des repères. Et en fait, je suis rentré vraiment dans le truc. J'allais très loin dans la lecture, etc. Des ouvrages pour comprendre ce qui s'était passé. Et en fait, Marie-Antoinette, cette pauvre femme est devenue le bouc émissaire de toutes les haines. D'abord, un, c'était une femme. Deux, elle était autrichienne, donc on l'appelait l'autrichienne. Trois, c'était la reine. Donc, elle a tout capté. Et en fait, quand d'un coup, il les arrête, il les met à la prison du temple, elle est séparée de ses enfants, et ses enfants comptaient beaucoup pour elle. C'était... On le comprend, et elle est dans une insécurité totale.
Et le paradoxe, c'est que d'un coup, vous avez la Révolution française qui monte les droits de l'homme, qui sont les premiers ferments sur la justice, sur la défense, etc. Et en fait, vous apercevez que les révolutionnaires, Robespierre en tête, se dit « on va la buter ». Comme ça, ça donne du sens à la Révolution. Ils font tout pour l'humilier et la déstabiliser. Mais elle est très, pour moi, Marie-Antoinette est une femme hyper moderne, en fait. Elle se défend à tel point, c'est qu'à un moment, ils essayent de l'accuser d'avoir eu des relations sexuelles avec son petit garçon qui a 8-9 ans. Et elle se démène au tribunal et elle prend à témoin toutes les femmes. Et à ce moment-là, Fouquier-Tinville et tout ça, ils se disent « putain, on est en train de perdre le procès ». Et donc, ils accélèrent le procès pour être sûr qu'elle soit condamnée. Et donc, évidemment, elle est condamnée. Et comme ils condamnaient tout le monde, ils font décapiter aussi les avocats qui avaient essayé de la défendre maladroitement. Et du coup, j'ai eu cette espèce de fascination pour cette femme et j'ai rencontré Evelyne Levert, qui est la grande historienne de Marie-Antoinette, qui m'a fait l'honneur de relire le texte pour voir si je ne me trompais pas, machin. Et c'est un truc qui est absolument passionnant. À tel point, c'est que Victor Hugo, comme Napoléon Ier, ont condamné ils ont dit, bon, quelque part, on comprend, on coupe la tête du roi, etc. Il y a quelque part un sens politique, voilà. Il y a eu les exactions, ça c'est itinérant à toutes les violences et de révolution, mais elle, c'était totalement gratuit et quelque part ça a desservi la France parce que évidemment après, les pays européens ont toujours voulu venger cette mort de Marie-Antoinette. Ouais. On va passer du coq à l'âne, mais c'est un peu le cas de votre livre qui nous amène vraiment dans des atmosphères très différentes. J'aimerais parler de l'art. On peut croire en l'art. L'art peut maintenir en vie. Ah oui. On le voit dans votre bouquin, Van Gogh, Debussy, Billie Holiday, Bourville même, sur la fin. Ah oui, mais l'activité artistique, c'est ce qui donne, à mon avis, le sens à la vie. Le passage sur Van Gogh est magnifique dans Patty. Merci. Mais Van Gogh, c'est un patient bipolaire, c'est-à-dire avec une maladie maniaco-dépressive, et qui est en fait destiné qu'à la peinture. Le reste de la vie, c'est pas son sujet en fait. Il picole, bien sûr, il va boire de l'absinthe tout le temps, il va aux putes parce qu'il y a des bordels aux quatre coins des rues, voilà. Et c'est la peinture. Et c'est tellement la peinture que ce que je raconte, c'est quand il se suicide, il bouffe ses tubes de peinture. Il veut être dans ses tableaux. Et en fait, son seul soutien, c'est son frère. Et en fait, à l'époque, et là, ça a permis, parce que je voulais faire un texte là-dessus, ça permet de voir aussi les progrès qu'on a fait en psychiatrie. Parce qu'à l'époque, la dépression et l'accès maniaque, on ne le traitait pas. C'est-à-dire, on tabassait les gens, on les mettait dans des bains d'eau froide, on les électrocutait. Enfin, c'était formidable. Hein. C'était une vraie torture et plein de malades qui mouraient, mais ils mouraient, ils s'en fichaient un petit peu. Là aussi, la médecine a un peu progressé. Et en fait, Vincent Van Gogh était fusionnel avec son frère qui assurait toute sa vie derrière. Et quand il décide de suicider, c'est parce qu'en fait, il a une petite rémission de son état dépressif et maniaque. Il le renvoie de l'hôpital psychiatrique de Saint-Rémy-de-Provence où il avait été interné. Il remonte à Paris. Il reste un petit peu dans le quartier Pigalle, puis il va à Auvers-sur-Oise. Et en fait, et un soir, il se suicide. Alors, il y a un gars qui a dit, il y a quelques temps, qui a fait un livre en disant « Non, Van Gogh ne s'est pas suicidé. » Alors, la théorie à deux balles, il aurait été tué par des enfants. Enfin, le truc. N'importe quoi. Pourquoi c'est n'importe quoi ? Deux trucs. D'abord, un, parce que les gendarmes, à l'époque, le suicide, c'était puni. Donc, les gendarmes faisaient une enquête très sérieuse. Et Vincent était incapable de mentir, en fait. Vincent, il ne pouvait pas mentir. Donc, d'un coup, ils viennent le voir et ils lui disent, mais il a dit oui, je me suis tiré. Il avait piqué un espèce de pseudo-pistolet et il s'est tiré une balle comme ça. Le personnage le plus cynique du truc, c'est le docteur Gaucher qui est là, qui est présent. Voilà. Et alors, le docteur Gaucher est quelqu'un de... Il ne croyait pas en la chirurgie. C'est comme ça. Donc, en fait, Vincent a une balle dans le thorax et le docteur Gaucher lui dit « Bah, on ne peut rien faire. » Bon,
Les docteurs ont aussi progressé. Voilà, donc ils ont laissé Vincent dans le lit, et puis ils lui ont donné du tabac, ils lui ont donné un peu à boire et tout, et puis ils l'ont laissé, ils l'ont regardé mourir. Et c'est vrai que d'un coup, ils auraient chopé Vincent, ils l'auraient mis dans un fiacre, ils l'auraient emmené voir les chirurgiens qui avaient, militaires qui avaient l'habitude de ça marchait pas à tous les coups, mais des fois ça marchait, de cautériser, d'enlever la balle. Peut-être que Vincent aurait vécu, mais ils l'ont regardé mourir. Et puis derrière ça, le docteur Gaucher s'est bien sûr empressé de piquer toutes les toiles une fois qu'il était mort. Il n'y a pas de petit profit. Mais c'est exactement comme Billie Holiday, c'est-à-dire que vous écoutez Billie Holiday et tout ça, et c'est vachement, vachement bien de dire j'aime le jazz, Billie Holiday, c'est formidable, etc. Ouais. Derrière l'histoire de Billie Holiday, vous avez toute la ségrégation raciale des États-Unis, la pauvreté, la drogue, l'alcool, et elle l'a payé très dramatique. Cher. Et une fin dramatique de la toxicomanie, où elle est morte quand même, surveillée par des flics, parce que la toxicomanie était répressible et était répréhensible, et elle était gardée à vue, et elle est morte comme ça. Il faut pas oublier ça. Derrière le blues et le jazz et leur développement dans les années 20, les années 30, derrière, vous avez la répression sociale qui est vraiment très importante. Quoi. Il y a la trajectoire de Frida Kahlo aussi, où l'art a un rôle primordial. Il la maintient en vie. Ah ben, Frida Kahlo, au départ, quand elle a cet horrible accident avec le bus, en fait, Frida Kahlo... Il y avait eu la révolution au Mexique, la révolution communiste, et en fait, Frida était vraiment surdouée. C'était la première femme à rentrer dans une école de médecine. C'est très important à comprendre, ça. Elle rentre dans l'école de médecine, elle a l'accident dans le bus, où d'un coup, elle a une barre de la rampe qui lui rentre dans l'abdomen et qui longe le bassin, et qui est enlevée à l'arrache par un mec sur le trottoir, en fait, tu vois. Et elle s'en sort. Il pense qu'elle va mourir, elle s'en sort. Mais d'un coup, sa vie devient qu'une souffrance. Et son père, dans la fameuse Maison Bleue, son père lui aménage, parce qu'elle dit, mais moi je vais peindre. C'est une autodidacte, hein. Elle n'a jamais appris à peindre et tout. Et son père lui installe un espèce de chevalet alors qu'elle est allongée. Et elle peint des tableaux qui sont souvent des références à la médecine. Parce que son truc, c'était la médecine. C'est incroyable, parce que nous, on ne connaît pas, mais c'est ce qui m'intéressait dans le bouquin, c'était d'emmener les gens dans d'autres... C'était difficile à faire, parce qu'il faut aller chercher des documents qui sont pas traduits en français, donc c'était un peu compliqué. Mais c'était d'aller chercher ça pour montrer aux Français qu'en fait, les autres systèmes étaient aussi complexes que le nôtre. Et Frida Kahlo, en fait, quand elle meurt, on lui dit bon, bah voilà, qu'est-ce que tu souhaites, etc. Et elle dit ah non, mais moi, j'ai toute ma vie, j'ai souffert en étant allongée. Je veux être incinérée pour ne pas être allongée et pour pouvoir enfin être libre. Et elle a marqué le Mexique. Tout est lié au Mexique. La culture, c'est vraiment Frida Kahlo. Hein. Et elle avait fait un truc, elle avait muré en fait chez elle une pièce en disant vous n'ouvrirez que 50 ans après ma mort et tout, et ça a été ouvert, et en fait dans la pièce il y avait des photos, il y avait quelques textes, et il y avait ses harnais, parce qu'elle était tout le temps avec des harnais absolument épouvantables qui lui faisaient très très mal, quoi. Au milieu de cette galerie de portraits, il y a un grand passage au milieu de votre livre consacré à la Commune, une espèce de fresque monumentale. Pourquoi avoir inclus cet épisode-là? C'est parce que c'est l'agonie, en quelque sorte, un petit peu l'agonie d'une ville en pleine guerre civile? C'est exactement ça. C'est-à-dire, en fait, j'ai bien aimé m'intéresser à des espèces d'entreprises mortifères, comme la guerre. Et d'un coup, pour ce bouquin, je cherchais un truc... j'hésitais entre la guerre 14-18, puis je me suis dit, on a tellement écrit là-dessus que ça va être redondant. Je me suis dit, mais la Commune de Paris, en fait, qui est la guerre civile française, en fait, il y a peu de textes ou d'analyses qui sont portés, ou alors avec des buts un peu politiques. Et donc là, l'angle que j'ai choisi, c'est de raconter la Commune de Paris sous l'angle des hôpitaux de Paris. Et de voir, puisque ça reprend notre premier propos, ça reprend l'héroïsme des hôpitaux pendant cette guerre, qui est une guerre
franco-françaises. Ils sont pris entre deux feux, en fait. Et d'un coup, vous avez les Prussiens qui ont envahi la France, et après la guerre 1870, et qui font un chantage avec un type qui s'appelle Thiers, et qui leur file l'Alsace, la Lorraine, des mines, etc., du pognon et tout, mais qui ne veut pas entendre parler d'un développement qui est un développement socialiste et communiste. Au niveau de Paris. Et quand vous analysez, mais je ne suis pas un historien suffisamment, je ne suis pas un politique suffisamment pointu, mais quand vous regardez ce qu'ils ont commencé à vouloir faire à la Commune de Paris, bah en fait, c'était le soin pour tous, c'était l'éducation pour tous, c'était la laïcité, et ça a dérangé le pouvoir en place et la bourgeoisie, notamment versaillaise. Et quand ils décident de faire la répression, c'est Thiers qui a dit « Cette répression de cette révolution ne se fera pas à moins de 100 000 morts ». Moi, j'ai plongé dans les archives, les machins. Il y a eu 100 000 morts. Il y a des types qui font des textes en disant « Il y a eu 2 000, 3 000 personnes ». Non, ça a été une vraie, véritable boucherie. Il y avait tellement de cadavres dans Paris qu'à un moment, Paris, à l'époque, avait encore peur de la peste, donc qui arrive avec les rats. Donc d'un coup, ils avaient commencé à avoir des rats, et puis surtout, comme il y avait plein de cadavres, il y avait plein de mouches. Donc ça les inquiétait. Donc ils avaient saupoudré Paris de chaux-vives. Donc Paris était tout blanc. Début juin, et Paris était tout blanc. Et ils ne savaient plus quoi faire des cadavres, tellement il y en avait. Alors, ils les avaient balancés dans la Seine ou dans le lac du bois de Vincennes ou du bois de Boulogne. Mais en fait, les cadavres, ils plongent les 5 premiers jours, puis après, ils remontent. Donc après, c'était un bain de cadavres comme ça. Donc, c'est pour dire le nombre de carnage que ça a été. Et ce qui était intéressant, c'était de voir comment les hôpitaux publics se sont maintenus, ont soigné tout le monde. C'est un peu la naissance des urgences d'aujourd'hui, on s'aperçoit à cette époque. Ouais. Il y avait cette composante des urgences et des médecins qui accueillaient tout le monde et qui soignaient. Alors après, les Versaillais sont allés chercher des communards pour les fusiller qui étaient hospitalisés. Mais en gros, il y en a pas mal qui ont échappé parce que justement, le personnel hospitalier s'interposait et refusait de donner les soldats et les prisonniers. Pour raconter cet épisode assez incroyable, déjà on a essayé d'incendier Notre-Dame. Ouais, mais là ils n'ont pas réussi. Là ils n'ont pas réussi. En fait, ils avaient entassé des barils de pétrole. Parce qu'ils voulaient détruire trois trucs sur Paris. Ils voulaient détruire la colonne Vendôme, ça ils ont réussi. Ils voulaient détruire la chapelle expiatoire, qui était la chapelle qui était à Paris et où on a retrouvé les dépouilles de Marie-Antoinette et de Louis XVI. Et puis, ils voulaient détruire Notre-Dame. Et donc, ils avaient entassé dans la nef des barils de pétrole et ils ont commencé à foutre le feu aux barils de pétrole. Mais en fait, les autres communards qui tenaient l'hôpital de l'Hôtel-Dieu avec les congrégations religieuses qui y étaient mais qui ne pouvaient plus porter de signes ostentatoires religieux, sont intervenus en disant « Mais si vous foutez le feu à Notre-Dame, l'hôpital va brûler. » Donc, en fait, c'est le personnel de l'hôpital, avec des sacs de sable et tout, qui ont éteint l'incendie. Peut-être qu'ils auraient dû faire ça il y a quelques mois. Mais enfin bon, c'est... Faudra donner le truc aux pompiers de Paris. Dans les forces qui portent un homme ou une femme, il y a l'amour, l'amitié. Vous évoquez celle qui vous lie avec Charles de façon très, très poétique. Avec l'amitié, on peut vivre, on peut ou survivre. Ah oui, mais ça c'est de toute façon, c'est... Tu sais, j'en ai vu des gens mourir, hein, j'en ai vu des paquets. Et en fait, ils n'ont jamais le décompte de leur compte bancaire ou leurs biens en or, en tableau, etc., à côté de leur lit. Ils ont généralement les photos de la famille, les photos de leur amour, et puis souvent l'animal de compagnie. Et en fait, aux derniers instants, c'est un truc, quel est l'essentiel, quoi ? Qu'est-ce qui compte le plus ? Ben, c'est ça. Et en fait, l'amitié, l'amour, ça part de la même chose. C'est deux antichambres, c'est deux pièces particulières dans nos esprits, dans nos comportements, dans notre vie, dans le lien avec les autres. Et c'est vraiment quelque chose d'absolument important. Moi, ça m'amusait de faire le premier chapitre sur le prophète Mahomet et le dernier chapitre sur Charbes. Ça leur a fait marrer. Et donc, je l'ai fait. Voilà.
mais je n'ai pas raconté sa mort parce que ça n'avait pas d'intérêt. Mmh. Donc en fait, j'ai préféré faire un long texte pour raconter, parce que c'était un peu court, et ça, ça leur a fait chier, qu'on le dise, bon bah voilà, c'est une des victimes de Charlie Hebdo. Derrière Charb, il y avait un type qui adorait la vie, qui était généreux, qui était absolument pas raciste, qui n'était pas du tout islamophobe, qui était un type d'une grande générosité, qui avait plein de copains, plein de copines, etc. Et c'est ça que j'ai voulu raconter, parce que, en fait, limiter la mémoire de ceux qui sont morts à l'attentat juste par le fait qu'ils sont morts à un attentat, je les connaissais tous très bien, ils n'auraient pas bien aimé, en fait. Oui, parce que on s'aperçoit en lisant ce chapitre-là, c'était une famille, c'est une famille de copains. Oh oui, c'était une famille de copains, avec des inimitiés, des engueulades, des retrouvailles. C'était ça, mais c'était une époque, mais il faut que l'époque de maintenant soit tout aussi bien, et c'est pour ça qu'il faut travailler là-dessus et défendre la laïcité, la liberté d'expression qui nous permet de dire des bêtises sur scène à Pau, le blasphème et toutes ces valeurs-là. C'est ça à l'heure actuelle, on a besoin de tout le monde sur la défense, parce qu'il y en a certains qui veulent revenir sur la laïcité, qui disent que la laïcité est liberticide. J'ai entendu ça il y a quelques jours, c'est complètement ridicule, c'est ridicule. Vous en êtes la preuve vivante, et si on pouvait croire simplement en l'humour ? L'humour est très présent finalement dans votre bouquin, qui est, je répète, un défilé de victimes, de cadavres. Il y a toujours cette petite touche d'humour qui vous caractérise. En fait, il faut savoir rire des choses dramatiques, parce que c'est ce qui nous fait tenir. Et se moquer finalement de la mort, c'est peut-être en fait mieux l'absorber et mieux la comprendre. Le rire, c'est quelque chose d'important. Mais c'est là encore, c'est pas pour se moquer. Mais c'est celui qui a donné le bon exemple là-dessus, c'est Bourvil, où en fait Bourvil était atteint d'un cancer épouvantable qu'on ne soignait pas à l'époque, qui était une dysglobulinémie. Enfin bref, c'était un cancer qui se répandait de manière très importante et qui en fait fait que vos os deviennent de la poussière. Et en fait, Bourvil, il n'en parlait jamais. Il avait parlé à sa femme, à un de ses amis, mais il n'en parlait jamais. Et il continue à tourner. C'est-à-dire que quand vous le voyez dans Le Cerveau, dans ces films-là, il fait rire tout le monde. Mais en fait, le type, il douille, quoi. Il a très mal et tout le temps, permanence. Il donne même des interviews dans lesquelles il dit « Tout va bien, je suis en bonne santé. Ah, »« J'ai une femme, j'ai des beaux enfants, je suis heureux, comment voulez-vous » Puis si vous regardez bien l'interview, vous le voyez très amaigri. Et en fait, vraiment, Bourvil, c'est le courage face à la maladie et de ne jamais s'arrêter. Et il ne s'arrête pas. Il ne se lamente pas sur son sort, il ne s'arrête pas. Et quand en fait Melville l'appelle pour faire son dernier film, qui est Le Cercle Rouge, il en est très fier parce qu'on lui donne un rôle qu'il n'avait jamais eu. Un commissaire austère, il n'y a pas d'humour et tout. Melville lui explique qu'il faut qu'il oublie ses ricanements, ses machins, qu'il veut André Bourvil. Vraiment brut sur l'art de comédien, et Bourvil fait le truc comme ça. Il était ravi, il voulait être très chic. Il voulait être très chic. Donc du coup, Melville lui avait envoyé son tailleur, il était très très bien habillé. Alors ils avaient des problèmes parce qu'il avait énormément maigri, donc ils avaient mis plein de coton dans le chapeau qu'il portait pour le tenir. Et en fait, il tourne la dernière scène où il marche à côté d'un policier. Et en fait, Bourvil est très content. Tout le monde dit c'est le clap de fin et tout. Et Bourvil il demande à Melville, est-ce qu'on peut retourner cette scène? Et en fait, Melville dit, oui, monsieur Bourvil, si vous voulez, on retourne cette scène. Il retourne cette scène, il la retourne. Et puis là, Bourvil se met à chanter la tactique du gendarme. Tu vois, et la boucle était bouclée, en fait. Et c'est... Vraiment, Bourvil, c'est vraiment un truc incroyable sur le courage et la notion de ce qu'est le courage. Ouais. Un passage du livre qui est assez poignant. Un autre moment qui est émouvant, vous nous transportez aux États-Unis dans la réserve indienne de Sitting Bull. Et là, ce sont des croyances, c'est un monde qui s'effondre en une seule nuit quelque part. On est en plein western. Racontez-nous un petit peu.
Alors justement, on n'est pas en plein western parce que les Américains sont très forts. Mais le premier, c'était John Ford, en fait, qui a commencé à faire des westerns à charge sur les Indiens en les traitant de sauvages, etc. Et en fait, John Ford, en progressant dans son existence, s'est aperçu que ce n'était pas du tout ça. C'est pour ça qu'il change progressivement dans son œuvre et dans son cinéma pour aller vers la fin sur un film qui s'appelle Cheyenne, où d'un coup, il donne la part belle en disant « Non, mais on a massacré des peuples immédiatement humains. » Ça m'intéressait de rentrer dans la problématique des Indiens d'Amérique et par rapport à ce qu'ils étaient, à leur concept, notamment sur l'environnement. En fait, c'était des peuples très riches culturellement, philosophiquement. Par exemple, on a cette notion des films où on dit le sorcier, c'était l'homme médecine, machin, machin, mais pas du tout. En fait, le sorcier dans une tribu, c'était l'homme le plus bienveillant. Tu vois ? Alors, ils avaient des trucs pour soigner qui étaient très empiriques, qui ne donnaient pas grand-chose, mais ils avaient une espèce de bienveillance. Et ce qui était intéressant, c'est de voir que Sitting Bull a été un des chefs indiens qui a compris le génocide. Parce que c'est un génocide, les Amérindiens. C'est un très grand génocide. Ils ont tous massacré. Bon. Et d'un coup, ils avaient enfermé Sitting Bull dans une réserve. Et en fait, Sitting Bull refusait systématiquement de signer les traités. C'est-à-dire il négociait et puis disait « Non, non, mais là, vous allez nous la jouer à l'envers. » Il n'avait pas tort. « Donc, je ne signe pas. » Et ça, c'est tout. Si tu veux, il l'assassine avec toute la méchanceté et le machiavélisme. Avec cynisme. Ouais. Avec cynisme, puisque en fait, le représentant du gouvernement dans la réserve prend 40 sioux de la tribu, qui sont tout jeunes, qui détestent les vieux, et il les galvanise un petit peu, et il dit, il faut aller arrêter Sitting Bull. Et ils vont l'arrêter en pleine nuit, et en fait, ça se passe très mal, et ils abattent Sitting Bull. Ils abattent Sitting Bull, et ils maltraitent le corps, ce que les Indiens ne supportent pas, mais les Indiens n'ont jamais oublié. Ils n'ont jamais oublié, et c'est pour ça que là, récemment, quand Trump est revenu sur des accords que Obama avait signés, disant que les Black Hills qui appartiennent aux Sioux, il ne fallait pas y toucher, et c'était sacré pour eux et tout, Trump, là, a signé des accords pour faire passer des pipelines au milieu de cette réserve. Donc vous avez eu, il y a quelques mois, des manifestations des Sioux dans le Dakota, disant on ne veut pas de ces pipelines, on ne veut pas revenir sur nos accords ancestraux, et protéger l'idée. Et donc, c'est là où tout le monde repensait à l'idée politique de Sitting Bull. Et c'était... Sitting Bull était probablement c'était un grand défenseur de l'écologie, parce qu'en fait, il ne comprenait pas ces Blancs, ces Américains, qui tuaient tous les bisons. Parce que il y avait un très grand respect vis-à-vis de la nature. Il ne voulait pas qu'on touche à la forêt. Non, et pas à la forêt non plus. C'est-à-dire pour lui, un arbre, c'est vraiment quelque chose de sacré. Il ne faut pas les prendre pour des demeurés, les Sioux, parce que c'était vraiment... Il y avait une connaissance de la nature, de tirer vraiment profit de toute la nature en la respectant. C'est ça qui était vraiment très, très intéressant. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, alors je vais vous poser la question que je m'étais juré de ne pas vous poser, mais je vais le faire quand même. Mettons que dans quelques années, je m'intéresse à l'agonie de Patrick Peloux. Je suis mortel. Puis ça va aller faire chier. Quand j'ouvre le corps, j'y trouve quoi ? En quoi croyez-vous ? En fait, c'est ça ma question. En quoi croyez-vous, Patrick Peloux ? Ah, je crois dans les mathématiques, en fait, la science, parce que c'est ce qui fait le développement et qui fait qu'on est là. Premièrement, moi, je crois beaucoup dans notre pays et dans la République et sa laïcité. Voilà, ça, c'est un truc qui est absolument essentiel. Et il faut qu'on se batte actuellement pour le défendre, parce que ceux qui veulent faire virer notre pays dans un système d'addition communautariste avec des quartiers, des religions qui se développeraient,
c'est pas bon. C'est pas bon et c'est pas ça la République. Moi, je crois beaucoup dans les valeurs des services publics. Je pense que c'est un tort de croire que la partie est terminée sur l'éducation nationale, sur l'hôpital public, sur la sécurité sociale. Il ne faut pas les croire. Ce qui est intéressant, c'est l'histoire. C'est-à-dire qu'on oublie trop l'histoire. On est dans l'immédiateté avec les réseaux sociaux. C'est un truc hypnotique, ce machin. Et on oublie l'histoire. L'histoire, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Elle nous raconte que, voilà, on est en 1944, on est sous l'occupant nazi, il n'y a plus rien qui va, etc. Et vous avez le Conseil national de la résistance qui dit, attendez, on va faire un truc, on va faire la sécurité sociale. Mais vraiment, ces deux mots, c'est un oxymore, c'est complètement... Enfin, ça ne correspond à rien, ça fait chier depuis tous les économistes libéraux, mais c'est comme ça, et on est fiers de la sécurité sociale. Mais voilà, on n'avait rien, la France, il n'y avait plus rien, on sortait de l'occupation et on invente la sécurité sociale, c'est génialissime. Et c'est ça, il faut y croire. Ça ne veut pas dire que la santé passe devant toute autre prérogative, ce n'est pas ça que je dis. Je dis qu'elle est, de toute façon, elle fait partie du socle. Mais après, les transports, le service public des transports, le service de la poste, etc., tout ça, c'est aussi important. Le café aussi, à côté du village, et le vin sont très importants. On le voit aussi dans le livre, il y a pas mal de moments. Mais voilà, c'est des choses communes, c'est ce qui fait notre histoire, et ça, il faut qu'on en soit très fiers et qu'on le porte haut. Faut pas qu'on ait honte de notre identité française, républicaine et laïque, en fait. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée.